J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd. Mais... Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. En principe, c'est le dernier assaut qu'on doit faire pour récupérer l'Oxenforshire. Donc je vais sans tarder rejoindre Gedrich et lui dire qu'on est prêt. Le campement est déjà établi? C'était rapide. Eivor, as-tu déjà porté quelques coups à Edwin? Absolument. Elle ne tardera pas à en ressentir les effets. Excellent. Mes hommes brûlent d'attaquer le fort. Mais ce serait folie de le faire dès maintenant. Et pourquoi ça? Parce qu'Edwin a mis en place trop de pièges et de défenses. Ces espringales nous mettraient en pièces avant qu'on nous verse sur la couane de l'huile bouillante, comme une pluie de feu. Tiens tes hommes prêts. Je vais me faufiler et voir ce que je peux faire contre ces défenses. Par tous les saints, tu es une coriace. Guide-moi, Sinin. Bon les amis, on n'a pas le temps, je vais comme ça. Voilà. La justice de Dieu t'attend. Parfait, j'y suis. Il y a beaucoup trop de soldats. Les espringales sont de grandes arbalètes. Je dois les mettre en route. Ok, ça c'est fait. On arrive à tous les massacrer. Ouf. Dieu ne nous laissera pas faire. Retraitez ça. Allez, on avance par derrière. Oh. Ok, il faut que je détruise ça. C'est ça qui me fait beaucoup de mal. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il reste des choses à faire, mais cela devrait suffire pour donner l'assaut. Maintenant, au tour de Gedrich de mener ses hommes. Ok, c'est bon. Faut que je m'enfuis d'ici. Mon cheval est en train d'arriver. Hop là, on retourne au campement et dire qu'on est prêt. Est-ce fait? C'est fait. As-tu dressé des perches de noisetier, composé des poèmes pour la victoire à venir? Je suis venu ici pour voir Gedrich. Vas-y alors. Ton maître t'attend. Tu rêves toujours de ta précieuse pierre? Ce ne sont pas des rêves qui m'ont conduit ici, Eivor. Mais des visions. Des prophéties venues des dieux. Des visions. Je vais offrir un sacrifice à Tyr, seigneur de la justice, annonciateur d'une parfaite victoire. Sigurd, mais quelle prophétie? L'autre qui court après. Sommes-nous prêts à attaquer le château, Eivor? C'est un toutou. Les présages sont bons. Nous sommes prêts. Donne l'ordre. Bien. C'est parti. Et surtout, ne tardons pas. Mes éclaireurs me disent qu'une troupe du roi Elfred est en marche. Terminons-en avant que cette phase de pudding ait l'occasion de répliquer. C'est parti. Tirez sur les maillons pour abaisser le pont-levis. Ça va être facile à faire. Ok. On esquive tout ça. Abaissez le pont-levis. Ça y est.
Hop là. Ok, il y a un petit passage ici. Je vais laisser Basim s'en occuper, il a l'air de gérer. Cette vermine n'en a plus pour longtemps. Allez, c'est bon. Allez, entrez, guerrier. Trouvez Edwin. Viens m'affronter. Bah, si tu veux. Tu ne t'en tireras pas cette fois. Ah, on vise les points faibles. Elle a des gardes du corps. Une récompense en argent pour chaque Danois. Je vais mourir. Ouf. Oh, comment il m'enchaîne. Oh là là. Elle est super rapide. Ok, tu veux jouer à ça. Mes frères, finissons-en. Oh, elle s'enfuit. Tiens. Comme elle a giclé. Qu'il est bel est à nous. Félicitations, tu as triomphé d'elle. On a triomphé. Fais ce que bon te semble, Seigne du Fumier. Elle est pas morte. J'ai été loyal au comté et à son peuple. Alors je sais qui Dieu reconnaîtra. C'est Eivor qui t'a battu. C'est à elle de décider de ton sort. On va pas chaque fois épargner nos ennemis, surtout que la dernière fois qu'on avait épargné l'ennemi d'Oswald, je sais pas si vous vous souvenez, il était revenu au mariage, il avait semé le trouble. J'ai envie de dire que Gedrick s'en occupe. Tu as combattu avec allant et honneur. En conséquence, je te confie à Gedrick. Il saura te traiter correctement. Je le ferai, si tu abjures ton amitié envers ce pot de pisse qu'est le roi Elfred. Très bien. Alors qu'on l'emmène. Ok. J'ai tenu ma promesse. Je compte sur toi pour faire de même. Nos peuples sont-ils maintenant liés par serment? Tu nous as rendu un grand service, Eivor. Je t'en remercie. Et s'il faut te rendre l'appareil, je ferai de mon mieux. Entendu. Compte sur moi. Je vais vite ramasser le butin. Le roi Elfred doit être en chemin. Il avait une flèche plantée dans le bras. Rejoindre Sigurd, Basim et Fulke. Où sont-ils? Ils sont peut-être montés. Tu vois? Ce sont les marques des anciens. Les Issou. Les dieux engendrés par les dieux. J'ai déjà vu ça quelque part. Je connais ces mots. C'est quoi? Qui se tient sur un seuil doit prendre soin de regarder alentour. Car qui sait quels ennemis se tiennent au-delà. J'ai déjà franchi cette porte une fois. Avec Sigurd. Dans un rêve. Pas une fois. Un millier de fois. Un millier? Ce regard suspicieux. Qu'est-il écrit, Sigurd? Cela te dit quelque chose? Oui, mais... mais les mots sont embrumés, dans l'ombre, et pourtant je ressens leur signification. Et le frêne. Je vois le grand arbre de vie. Ses branches touchent le ciel. Ouvrant la voie, c'est ce que tu avais promis, Basim. Tout ce que tu as prédit est vrai. Eivor, je suis bien plus que ce que je parais. Tellement plus. C'est de la magie maléfique, Sigurd. Du cèdre noir. N'écoute pas. Non, c'est vrai.
Tout est là. Au mur ! Au mur ! Elfred s'en vient ! Le roi Elfred de Wessex ! Il approche avec une grande troupe ! A-t-on le temps de s'échapper ? Les hommes sont épuisés ! On n'a pas la moindre chance ! Des pourparlers, alors ? Oh oh ! Il faut demander des pourparlers. Je vais m'exprimer. Et le roi du Wessex m'écoutera. J'ai cru comprendre, roi Elfred, que ton nom n'était guère apprécié ici, en Mercy. Pourtant, je suis assez près du Wessex pour entendre mes louanges de l'aube au crépuscule. Alors regagne tes sujets en pamoison, et laisse donc les affaires de la Mercy aux Danois. Pas avant que vos champs de guerre païens ne se soient éloignés. Propose un marché, seigneur. Tu peux choisir. De grâce. Pas de messe basse. Réglons ceci tout de suite, sire. Échangeons des hommes. Mon meilleur guerrier contre le tien, en gage de paix. À la suite de quoi vous quitterez la Mercy, et nous nous replierons au nord de Luz. Meilleur guerrier, c'est... Wolfrich. Mon thane de guerre. Tu vas rejoindre Gedrich, mon ami. Qui m'envoies-tu ? Non, pas Eivor. Non ! Jarl Sigurd, je me propose. Merci, Basim. On est d'accord. Roi Elfred, un instant. Est-ce toi, Fulke ? Tu les accompagnes ? En effet, monseigneur. Afin de reprendre des mains d'Edwin ce qui m'appartenait de droit. Sigurd est le seul dont tu aies besoin. Il vaut plus que 20 hommes ordinaires. Car il est le fils d'un roi. Vipère traîtresse. Et ses hérésies sont très graves, monseigneur. Okay. Il se proclame être un dieu vivant. Je te triperai, maudite troll. Assez. J'accepte de te rejoindre, roi Elfred. Car ma destinée n'est pas de mourir de ta main. Sigurd. Mais... Sachez que le Seigneur notre Dieu vous observe tous. Cet homme est dangereux, mon roi. Laisse-moi le tenir. Comme tu voudras, mais fais preuve d'égard. Tous les dieux, Basim. C'était quoi, ça ? Je vais les épier. Ils ne s'échapperont pas.